Y'all ready for this? I don't think so. Yeah. Oh, listen to this. Et voilà, arrivé à Barcelone. On se 25 avril. Et vous avez vu, ils sont pas épargnés non plus. Et allez, j'enchaîne. Samedi 26, ciel de Barcelone, au matin, et 8h40. Les avions passent et repassent. Le traîneau persiste ou pas. L'Espagne fidèle à ce qu'on peut voir sur internet. Ils se font bien défoncer. Cette vidéo, donner mon sentiment aussi. Bah écoutez, chaque joueur à Barcelone, les avions passent et repassent. Alors j'ai un petit peu l'impression que c'est pour entretenir le tourisme, dans le sens où ils dispersent beaucoup les nuages, les brumes matinales et autre humidité, parce que là-bas c'est très humide avec la chaleur. Ça crée des brumes, et à mon avis, pour les touristes et pour le porte-monnaie et disperser les nuages, parce que tous les matins on se réveillait assez tôt avec des brumes, des nuages très bas, et dans la journée voilà, ça se découvrait au fur et à mesure que les avions passaient avec des nuages un peu difformes. Donc j'ai pas dormi, hein. Collage d'autocollants autant que possible, discuter. Il y avait des mecs de Greenpeace qui étaient devant Apple Store, place de Catalunya. Et donc je leur ai demandé un petit peu ce qu'ils pensaient de tout ça. Et le gars sur qui je suis tombé m'a dit qu'à titre personnel, il était bien conscient de ce qui se passait, mais que Greenpeace n'avait aucune position précise à ce sujet. Qu'en général, il évitait d'ailleurs ce sujet. Donc voilà. Greenpeace France, Espagne, imagine bien ailleurs, ils sont toujours autant muselés. Voilà, j'ai posé des questions aux gens en général, un peu comme je fais ici, mais là-bas. Je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir enregistré. Mais bon, en tout cas, en général, que ce soit les touristes ou les locaux, même ceux, vous savez, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les estampes, où les gens vendent des journaux, des cartes postales, des pipas et tout ce que vous voulez, des graines de maïs,
Bah écoutez, ils ont mené dehors toute l'année. Et ça les choquait pas. En général, on me remerciait pour l'information. Donc, j'espère que ça fera son chemin. Il y a un groupement sur Barcelone. Enfin, il y en a qui sont pas mal actifs quand même en Espagne, vous le savez. Et voilà, mais bon, c'est le même cinéma que chez nous, mais bon, sur une semaine, c'était tous les jours là-bas. C'était tous les jours avec ce genre de gros oiseaux, comme on a droit nous aussi, là, de chez Emirates. Voilà, Qatar Airlines aussi, pas mal d'avions comme ça. Donc, ils sponsorisent la fondation du Barça d'un côté, et de l'autre côté. Voilà. Donc, The No Way To Go a quand même pris des bonnes vacances. Mais à part en mettant un masque sur les yeux. Voilà, j'ai pas pu passer à côté, hein, vous voyez bien. C'était tous les jours, tous azimuts. C'était vraiment particulier. Alors je sais pas si c'est parce que c'était une ville ou quoi. Mais en tout cas, c'était assez violent. Sinon, le retour s'est fait dans la journée du 1er mai, donc hier. Et là, plus de traînée. Plus rien du tout, plus d'avion, pas rien qui se passait. Et il n'y a qu'en approchant les Pyrénées et au-delà des Pyrénées, donc que j'ai au-dessus de Perpignan, tout ça entre Perpignan et Toulouse, que j'ai retrouvé un ciel chaotique, un peu comme ce qu'on vient de voir. C'est spécial. C'est assez spécial. Allez, j'arrête mes commentaires. Vous avez compris, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. En tout cas, j'ai pas dormi. Partout où je suis passé, il y a des autocollants qui se sont collés. Toutes les barrières de péage. Enfin, partout, j'ai tout défoncé. Voilà, là les gens ils attendent plus d'une demi-heure dans l'escalier. Voilà. Donc on verra. J'espère que ça fera un coup de doute de plus dans l'océan d'ignorance. On verra bien. Allez, à bientôt. Je suis de retour parmi vous. L'association est à venir. Très prochainement, le site est en cours de construction et vous aurez des nouvelles d'autre part qui vont pas tarder à arriver, des interviews, des choses comme ça. Je vous en dis pas plus et à bientôt. Prenez soin de vous.